Bonjour tout le monde, c'est Matt SRX, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Farming Simulator 2013. Donc je vais commencer par tout simplement moissonner le champ 16 qui au début est semé en blé. Je mets celui-là là, je prends la moissonneuse. Comme vous aurez pu le remarquer, au niveau de l'horloge, j'ai un mode qui est en fait l'amélioration de l'horloge, c'est-à-dire avec la date, l'heure du PC, le temps joué total et le temps que j'ai fait aujourd'hui. En dessous j'ai une boussole, c'est un mode. En dessous de l'aide avec le bouton, c'est un mode qui permet de savoir à combien de pourcents est la machine, sachant que 80% ça devient orange et quand on est à 100 c'est du rouge. J'ai aussi le limiteur et le nombre d'heures travaillées avec la machine en bas. Donc ça c'est un mode que j'ai trouvé sur le site officiel. Allez, on va se retrouver après une petite accélération. On se dit à tout de suite. Children, rich men of the
se retrouve après cette accélération. Donc on va se retrouver. Allez, on va vider celle-ci dans la remorque, on va la ranger. Hop, voilà. Maintenant qu'elle est vide, on replie la vis. Les girons. Et on la range dans le hangar. Allez, on se retrouve après une petite ellipse. Et on range. A tout de suite. Allez, voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc, on va ranger la moissonneuse. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on comprend ce tracteur. Donc, que je vous explique. Donc, on va aller vendre celui-là au moulin. Donc, le giro. Donc les points de vente que j'explique, donc tout ce qui est blé et orge, c'est au moulin, c'est près du champ 25, entre le champ 25 et 26. Tout ce qui est colza, colza, pommes de terre et betterave, c'est à l'auberge, donc c'est près du champ 7, 8, 9, là vers là. Et le dernier, c'est le maïs, qui est le point de vente le plus loin, c'est-à-dire le dépôt. C'est derrière la colline, là-bas. Entre le, donc c'est près du champ 10. Et avant que j'y aille, il faudra que j'ai des bons tracteurs, une bonne moissonneuse. Et de l'argent. Allez, petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc on se met juste au-dessus de ça, on vide. Hop, une fois que c'est vide, on repart. Et donc, et on va se retrouver à la ferme après une petite ellipse. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc je vais déposer ce petit tracteur vert dans la zone de vente pour les vendre, parce qu'il ne servira à rien. Donc on se retrouve après une petite ellipse et je vous montre où je vends. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc c'est ici la vente directe. Donc si vous venez et que vous mettez votre matériel dans cette zone là, délimitée par le carré jaune et noir là, et bien c'est tout simplement vendu à 20%. Vous avez un bonus de 20% par rapport au prix de vente normal. Donc du coup, ben je vais amener tous les tracteurs verts au point de vente. Allez, on se retrouve après une petite accélération. À tout de suite. Thank you.
Voilà, on se retrouve après cette accélération. Donc, pour commencer, on va vendre nos tracteurs. Vous appuyez sur la touche R à côté de cette icône-là. Et c'est parti, on vend. Voilà, il n'y en a plus. Et voilà, donc c'est 20% de supérieur à vente, une vente. Donc, c'est-à-dire une vente par rapport par ici. Directement. Donc, ben, je vais tout simplement vous parler de la banque. Donc, pour accéder aux finances, soit vous vous placez à côté de ces symboles-là, vous appuyez sur R. Donc, voilà, moi j'ai emprunté. Ou alors, on appuie sur la touche insert. C'est la même chose, ça fait pareil. Donc, on va se retrouver, et ben on va s'acheter la remorque une fois que j'aurai vendu celle-ci. Allez, on se retrouve après une ellipse, le temps que je vende celle-ci, que je prenne note, et on ira à la range, on se retrouvera à la ferme. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette accélération, cette ellipse, c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc c'est ranger celle-ci. Voilà, on y est presque. C'est bon. Donc hop, donc je prends la masse et le culti. Tant qu'à y être, je vais m'acheter déjà le champ 15, comme ça je pourrais rejoindre les deux champs avec le mode que j'ai. Mais j'ai un mode qui permet soit de limiter le culti au champ, donc c'est-à-dire la taille qu'il est, soit d'augmenter la taille, donc de l'agrandir. Donc je vais faire que ça soit un grand champ et non pas deux petits champs. Donc on se retrouve, voilà, près de l'icône. Je descends, j'éteins. Alors voilà, donc dès que vous allez près de ce symbole pour acheter le champ, vous appuyez sur R. Je suis passé près, voilà, comme ça je l'ai. Et il me dira pas que je l'ai pas. Maintenant, ben, on va voir si ça marche. Donc normalement, c'est pas activé. Donc ça veut dire que si je passe, ça fait normal. Voilà. Maintenant, j'appuie sur O et voilà, c'est bon. Donc je vais rejoindre, je vais faire que ces deux champs soient ensemble. Voilà. Ben, on va se retrouver tout simplement après une petite accélération. Allez, à tout de suite. Thank you.
is born. Donc voilà, l'accélération c'est bon. Donc j'ai donc cultivé en sorte à ce que tous les deux champs soient liés. Et comme ça, on fera plus d'argent. Donc, on se retrouve après une ellipse, le temps que je vende ce culti et que j'achète l'épandeur à engrais. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après cette petite ellipse. Donc, on remplit l'épandeur. On va au champ. Et après, donc, je vais mettre de l'engrais sur le champ. Maintenant, c'est le champ 15-16. Je l'ai regroupé en un champ. Hop, ça ira deux fois plus vite. Donc, on se met en vue intérieure. Les gyros, il n'y en a plus besoin. On se met en deux. Et c'est parti. On épand. Go. Voilà. Oh, ça va faire du bien de gagner plus d'argent. On arrive bientôt au bout. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite accélération et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après cette petite accélération. Donc, je range l'épandeur. Je vais mettre un peu l'extérieur, ce sera mieux. Voilà. Ça, hop. Voilà, ça c'est bon. Je prends le semoir. Allez, on se retrouve après une petite accélération, le temps que je vende ce semoir, que je prenne l'autre, que je l'amène à la ferme, et que j'amène la charrue. Enfin, allez, on se retrouve après tout ça, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après cette petite accélération. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai acheté le culti, j'ai vendu mon sable. Parce que vu que le champ est rejoint maintenant, je pense que on fera tout
avec le même tracteur. Donc celui-ci c'est bon, il est rempli, donc on va tout simplement aller semer. Là on peut commencer avec le blé. Dans ce cas là je ferai une petite accélération, le temps de tout faire, ça ira beaucoup plus vite. Ah, il n'est pas passé le milieu. Oh, c'est pas grave. Allez, je l'active. Allez, petite accélération. On se retrouve après. A tout de suite.
on se retrouve après cette petite accélération à la fin du semage. Et on se dit à la prochaine. Et à bientôt tout le monde.